Et salut à toutes et à toutes, c'est Idan, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17 de BioShock Collection avec BioShock 1. Donc on s'était arrêté la dernière fois devant la station vers la bathysphère, donc on va y aller. Intéressant. Oh mais... Ouais. C'est d'une violence violentale. Attends, électrique. Dès le départ, tu fais aggro. Ça te donne un petit peu le. Non, je m'en fous du commentateur, du commentaire des développeurs pour l'instant. Ok, donc maintenant on va prendre la bâtisseur, on va y aller, on va se recharger en nev. Voilà. Et on est parti. Point de Prométhée. Sauvegarde en cours, ok. Métro de rapture, point de Prométhée. Ça, normalement, ça devrait s'arrêter là. Non, je suis obligé de passer dessus comme un abruti. Ah non, ça s'arrête. J'allais bien. Ce crétin est un métro. Il ne devrait même pas pouvoir marcher. On peut pas récupérer une munition sur eux. Bien sûr que non. Et j'ai pratiquement plus de trousse. Ok. Ça sent pas bon. Je sais pas pourquoi, mais moi je dis que ça sent pas bon tout ça. On va pas se faire toucher par son truc. Ah si. Oh trop bien, il y avait un truc. Plus. Oh là là. On va le pirater. Ah bah là on n'est pas bien.
Ah bah non. Bah oui. Oh là là, mais quel idiot. Bon, là, il n'y a pas de truc de sécurité, là. Je fais des bêtises. Oh, on va augmenter, tiens. Cadence. Oh là là, qu'est-ce qu'on prend cher. Mon maman. Ah ouais, mais là, je suis coincé, là. Waouh. Ah non, mais c'est quoi cette violence. C'est une blague. Ça passe pas. Pourquoi je peux pas passer là? C'est quoi ce bordel? Ouais, bah, putain, on est pas bien là. Oh, comment on est pas bien du tout? Ah si, normalement je pouvais passer là. Ah bah en plus il y en a deux. Ah ouais. Bon ouais, vas-y c'est bon, je me casse. Oh, c'est quoi cette barre de merde là? Wow. Ouais, donne-moi une trousse de soins, c'est super, merci, c'est gentil. On va passer là. Oh 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 oh. Bon, on va pas... Faut commencer à faire des conneries à tout va, parce que là... On n'est plus qu'à deux trousses de soins. Ok, Cimer Albert. Violence. Oh mais je suis en train de péter un câble là, sur la fin du jeu.
crois qu'on va mourir plus d'une fois, hein. Chercheur 2. Donc là on fait le bruit d'un protecteur. Un truc de soin, c'est cool, mais je vais le pirater histoire de. Alors, comme ça, on va remonter, retourner vers ça, on va remonter et on va retourner, hop là, je vais bien soigner pour 10 $. Super, comment je peux faire pour l'avoir cette munition? Super, une trousse de soins supplémentaire. Bienvenue là. Rappel aux citoyens de Rapture. Nous avons tous des factures à payer et la tentation de tuer pour aller récolter un peu plus d'Adam et bien par. Par contre, tout à l'heure. Ouais, ici. Il est encore là, lui. Il rigole ou quoi? Oh, il s'est pas fait des boîtes. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que je peux faire? Le leurre. Voilà. Peut-être qu'il y a trop de balles. Mais tant pis. C'est ici que tu trouveras le synthétiseur vocal pour avoir la même voix que les protecteurs. Quelle créature repoussante! On avait plein de trucs là. Ça fait plaisir. Mais bon pour que Chang, si je me fais désirer,
Monsieur Ryan sera impatient de me voir. Lenbaum n'est plus là. Fontaine non plus. Bouchang est le seul qui connaisse les petites sœurs. Comme je dis, c'est bon pour Bouchang. Non. Oh là 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 là. Il y en a un juste où? Cassez-vous. Et casse-toi, mais ouvre la porte, putain! Oh, ça devient compliqué! Il se réactive tout seul au bout d'un certain temps. Lui a récupéré toute sa life. Oh non. Allez, plus qu'une trousse de soins. C'est oufissime. En se lançant dans le commerce des plasmides. Mais les ventes n'ont jamais été son fort. Il ne faut pas cacher le talent de ces fillettes. J'ai vu les premiers modèles des nouvelles machines à plasmides. C'est exactement ce que je voulais. Et je vous l'affirme. Présent. Oh mais non, mais c'est pas possible, mais je les cumule, hein. Je l'avais pas vu celle-là non plus. Wow, la vache. Voilà, on est vraiment dans le fail du fail. Hein.
Quoi, il y a une petite sœur ici à sauver? Ah, oh, il y en a trois, carrément. Ça fait déjà trop de munitions du coup. Oh les fumiers! Je me suis fait avoir comme un bleu. Bon, lui, je vais réussir à le faire ou pas? Je suis pas sûr. Ah non, bah ça marche pas. J'ai essayé de choper une petite sœur, mais je me suis fait avoir. Bon. Ah ouais, mais non. Bah écoute, je vais te capturer. Pokémon. Ah, ça marche pas. Ah bah non, ça marche pas. Bon, bah on va se faire tuer. Parce que là, gaspiller des munitions sur un gardien qu'on pourra pas forcément récupérer la petite sœur, j'en vois pas l'intérêt. Bon, par contre, il ne reste plus qu'une... il ne reste plus qu'une seule, trousse de soins. Ça fait plaisir. Oh, mais c'est pas vrai. Tous revenir là? Non, quand même. Ah, je l'ai pas piraté celui-là, je me disais bien. Allez, arrête tes bêtises. Mais non! Oh là là! On a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance. Ah ouais, non, mais là, il faut qu'on rachète des trousses de soins, hein, je peux plus, là. Donc, la petite sœur, on va l'oublier. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut en termes de d'Adam. Donc, on va tourner dans celui du milieu. Mais non! Mais c'est pas... Mais c'est vraiment pas possible, j'ai vraiment pas de chance, hein!
Oh, me dis pas que lui est là. Bon, on va attendre. Bon, ça va. J'ai pas pris les robots. On va arrêter ça tout de suite. Ah ouais, mais non. Oh là 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 là. Je suis maudit, hein. Ah, sur cette fin de jeu, là, je suis vraiment maudit. Piratage automatique pour un coffre. Voilà. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ouf! Oh la chance! Bon bah il n'y a que des tout droits, on va prendre que des tout droits parce que là ça devient compliqué. Ok. On va pas faciliter la tâche. Tiens, prends cher. Ryan a fait livrer des munitions supplémentaires. Il doit s'attendre à des ennuis. Je les ai mises sous clé près du laboratoire des protecteurs. Le code est 1921. Mais je ne crois pas que nous en aurons besoin. Quand un protecteur est prêt, rien ne peut plus l'arrêter. 1, 9, 2, 1. Ok. Vous êtes tard. Wouf. Comme ça. Et voilà. Je
Amélioration. Dégâts. Dégâts du lance-grenade. Ça peut être bien. Merci pour la pose de soins. Le coffre, tant pis. Échangeur, bah non, pas forcément. Non. On peut plus rien fouiller. Oula. On va attendre encore une fois, ouais, voilà. Super, les trucs qui sont auto-explosés entre eux. Pas mal. Celui-là, ouais. Donc ça c'est fait. On va se caler la suite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fontaine se cache sur le terrain d'entraînement du protecteur. Vous devez vous-même devenir un protecteur pour le suivre. Fouiller les laboratoires des environs pour trouver ce dont vous avez besoin. Donc ici on a fait le tour. On va pas lui laisser le temps d'envoyer une roquette. Ah ah. Ah si, là. Ah, il y a des améliorations de santé ici. Ah non, allez fumier. C'est-à-dire que si j'arrive à me taper le... Le gars qui est là-bas. Faudrait que j'arrive à faire. Ok, donc là il y a un panneau de sécurité pour désengager la sécurité. Lui, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Complètement fou lui. Mais il sait plus où il va lui.
Ouf. Donc plus ça vient, plus on ressemble à un Big Daddy. Et voilà. Il est où le deuxième? Ah ouais, forcément, tu vas te faire des mots. Ah, t'es là. Le fumier. On va inventer des objets. Chevrotine explosif. Piratage automatique. Ah, il y en a un qui trop. Bah, c'est pas grave. Par Neptune, les postes des protecteurs doivent être livrés ici, pas à la bibliothèque. Quelle sorte de crétin Ryan a-t-il engagé pour ce travail? Ce genre de choses n'arrivait jamais avec Fontaine. Ok, donc là je vais pouvoir prendre mon outil de piratage. Est-ce que c'est intéressant de tout casser? Je ne pense pas. Surtout que si je me débrouille bien, il y a peut-être moyen de passer là. Non. Je suis passé où du coup? Je suis passé là. Ok. Cette odeur. Il faut maintenant trouver des recrues. Quand on devient protecteur, il n'y a pas de retour possible. Ryan dit que je ne dois pas m'inquiéter pour les recrues. De Ryan. Quel brave type. J'aurais pas dit ça comme ça. Non, ça on s'en fout. Je fais des erreurs. On ne bâtit pas une ville si l'on est guidé par le doute. Mais peut-on gouverner dans une absolue certitude? Je sais que mes convictions m'ont élevé. Tout comme je sais que ce que j'ai rejeté aurait pu me détruire. Mais la ville s'écroule sous mes yeux. Ma foi m'aurait-elle aveuglé au point de ne plus voir la vérité? Mais Atlas est là. Il a l'intention. La guerre est une chose terrible. Les Japonais ont massacré tous les habitants de ma ville. Mais pas Souchong. Tout
Song avait de l'opium premier choix. C'est ici que tu trouveras une armure. Ouais, je voulais le pirater, au final je voulais changer d'avis. Bah. Formidable, il ne demande plus qu'un calque. Alors, c'était quoi? Est-ce qu'on peut récupérer? Ouais, voilà, c'est ça, les enregistrements. Non. Fontaine est devenue une sorte. 5, 7, 4, 4, c'est pas ça. Pauvres andouilles. Ils viennent d'à. C'était où? Fontaine est devenue une sorte de. C'est pas compliqué, on est où? Ce mythe lui donne du pouvoir. Mais si on gratte le vernis et qu'on oublie ses belles paroles, ce n'est qu'un arnaqueur comme les autres. Et comme tous les escrocs, il a peur de se retrouver du mauvais côté. C'est pour ça qu'il a commandé le lot 192, l'antidote au plasmide de contrôle mental. Fontaine m'a conseillé de n'en parler à personne, pas même à Tenenbaum. Et Souchong préfère l'écouter. Non, non. Ah, 1921. Ryan a fait livrer des munitions supplémentaires. Ah. Il doit s'attendre à des ennuis. Je les ai mises sous clé près du laboratoire des protecteurs. Le code est 1921. Mais je ne crois pas que nous en aurons besoin. Quand un protecteur est prêt, rien ne peut plus. Oui, mais moi j'avais plus beaucoup de munitions. Là, y'a quoi, y'a rien. Non, là, y'a rien. Mais non, pourquoi je l'ai acheté? Lui, je l'avais pas vu, lui. Je l'avais pas vu, le petit lance-roquette, là. Oula. Ah, là, il était temps de faire quelque chose, sinon on n'allait pas être très très bien. Alors. Tac. Tac. Ça, et maintenant, un tout droit. Il y en aura bien un au moins. Et non. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un truc. Comme ça. Et comme ça. Tellement pas chaud pour le faire, mais je suis tellement obligé si je veux récupérer. Oh non, on a dit qu'on le faisait pas. On a dit qu'on le faisait pas au niveau de la dent, on avait ce qu'il fallait. On est revenu ici en fait. Donc, qu'est-ce qu'il me manque? Trouver un casque et les échantillons. Ah là, il y a un truc où on n'a pas été. C'est
C'est là? Qui est là? Vous doutez de mes compétences? Il s'échappe! Attrapez-les! Aidez-moi! Allez, vas-y, viens là. Non, là j'y étais allé. Non. À partir d'ici. Ici à droite. Ici je suis pas allé. Bah si. Non. C'est pas le même. Salopard doublé d'un monstre, et Ryan est un salopard doublé d'un requin. On ne peut pas réutiliser une armure de protecteur. Il faut greffer la peau et les organes du sujet directement dans l'armure, sinon ça ne marche pas. Ryan dit que les protecteurs coûtent trop cher. Ryan peut aller se faire foutre. Voilà. Comme ça, là, on a vraiment tout récupéré, à part la petite sœur, mais la petite sœur, je crois que ceux de ce niveau-là, on ne les fera pas. Là, t'arrives où, du coup? Oh oh! Génétique 3, bah vas-y, on va remplacer. Quelle allure! Je crois que nous allons faire de toi un vrai protecteur. Il ne manque plus que les phéromones. Va voir au centre pédagogique des petites merveilles. Au centre pédagogique des petites merveilles. Ils ont complètement bugué, eux. On va soigner, on va récupérer le cœur du chrosome. Donc, elle m'a dit où déjà? Les petites merveilles. D'accord, donc c'est le truc où tout à l'heure j'étais carrément bloqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégommer ces saletés de... Les saletés de mitrailleuse. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode de Let's Play. On va se mettre devant... On va se mettre devant ce qu'il faut. Donc là c'est de ce qu'on vient. Par là. Voilà. Je pense que c'était par là. Ah, c'est peut-être au premier étage qu'on y arrivera. Hein. Ça, c'est peut-être pas dit non plus. Voilà, donc on va s'arrêter là où il y avait les deux petites mitrailleuses. J'espère que tu auras apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne, mets la petite cloche pour avoir les notifications de la sortie de mes vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao ciao, c'était Idan.